Hello everyone, welcome to the Toddlersteins series of the French Library and for a 2 days workshop. I haven't said that for a long time, so for those who are just watching for the first time today, the Toddlerstein is a workshop that we were doing in the library with toddlers and parents every Tuesday at 10:30. Since lockdowns and everything, we decided to move it online on Facebook. So just to give you some ideas of songs and games that you can do for your children and some readings as well. We keep it short, so the toddlers, if you're watching with your child, isn't in front of the screen for too long time. And of course you can re-watch it in the video section of the Facebook and on YouTube as well, of the YouTube of the Alliance Française. Yes, so today no particular themes. I'm going to start with a little game with for really, really babies, and then we will read this album, Au lit tout le monde. We saw this character 2 weeks ago, and then another song which is quite short as well. And for that, we're going to talk in French. Alors, donc on va commencer avec un petit jeu, petite chanson qui est vraiment une chanson de nourrice, qui est très 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 connue, mais en France, mais peut-être moins en Irlande. Donc c'est pour les bébés et ça s'appelle Ainsi font, font, font. Vraiment, donc quand vous changez le bébé ou n'importe quand, mais c'est le hit des chansons de bébés pour en France. Je pense que Claire, tu seras d'accord avec moi. Oui, tout à fait. Alors, donc je vais la faire en entier. D'habitude, enfin, on fait souvent juste le premier couplet ou le refrain, et il y a trois couplets. Alors, ça fait ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font trois petits tours et puis s'en vont. Les mains aux côtés, marionnettes sautées, sautées. Les mains aux côtés, marionnettes recommencées. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font trois petits tours et puis s'en vont. Et elles danseront, les petites marionnettes. Et elles danseront quand les enfants dormiront. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font trois petits tours et puis s'en vont. Voilà, alors je sais qu'il y a plein de façons de faire les marionnettes. Moi je les fais comme ça, mais il y a des gens qui le font différemment. Donc n'hésitez pas à regarder aussi sur YouTube si vous voulez avoir d'autres idées sur les marionnettes. Alors, donc, au lit tout le monde, quand les enfants dormiront. C'est un album de Audrey Poussier. Donc on avait, je ne l'ai pas sous la main là, mais il y a 2 semaines, on avait regardé Gilly Gilly avec le même personnage. Au lit, tout le monde. Au lit, tout le monde. Moi, je ne dors jamais sans mon doudou. Le bélier. Le mouton, plutôt, arrive avec son doudou. C'est vrai que c'est une pyjama partie. Soirée pyjama. Moi, je dors toujours avec ma bouillotte, dit la poule. Ils ont mis leur bonnet et leurs vêtements de nuit. On s'installe. Moi, je ne vais pas au lit sans mon casse-croûte. Ram, dit le loup. Moi, je ne dors que sur le coussin. Rose, dit la souris. Problème, le coussin rose est déjà pris. Alors la souris essaye de récupérer le coussin rose. Moi, je ne me couche pas sans un bon bouquin, dit le cheval. Il arrive avec la BD de Super Momo.
On s'installe, le mouton ne veut pas donner son coussin rose. Non, non, non. Nous, on ne dort jamais sans notre traversin, disent les trois chats. Il y a du monde invité, hein? Ça fait du monde. Ah, la souris a récupéré le coussin rose. Chouette. Le mouton n'est pas très très content, et lui, le petit lapin, qu'est-ce qu'il fait comme tête? Moi, je ne vais pas au lit sans ma caisse à outils, dit l'éléphant. Bonne nuit. La souris éteint la lumière. Mais le lapin n'a pas l'air content du tout. Il a l'air plutôt triste. Tout le monde se partage la même couette. Grande couette. Mais c'est qui pleure? Je veux pas dormir dans le noir. Je peux pas dormir dans le noir. C'est le lapin. Alors la souris rallume la lumière, la poule, le loup, le cheval, les chats et l'éléphant les regardent, l'éléphant a sorti une scie. Je ne sais pas pourquoi faire. Ah, l'éléphant scie quelque chose. Et il a découpé une fenêtre. Tic! On rééteint la lumière. Ouais! Et là, tout le monde peut dormir. À la lumière des étoiles et de la lune. Tout le monde peut dormir avec ce dont il a besoin. Ils ont bien dormi. Toujours le grand rituel de ce qu'on emmène au lit. Et alors, pour terminer, c'est une chanson pour les un peu plus grands que j'aime bien. Comment? Que j'aime bien faire en ronde, mais bon. En tout cas, ça peut être une idée comme une autre. Ça se prête bien à se tenir par la main et à tourner, en fait, à marcher ensemble. Ça s'appelle Ah, les crocodiles. Donc, c'est une chanson qui a. Bah, Claire, je commence à hocher la tête et à chanter, donc c'est vraiment connu aussi. C'est une chanson qui a plusieurs couplets, je crois trois ou quatre, que je ne connais pas par cœur. Donc, je ne vais pas la faire en entier, mais vous pouvez la chercher. Donc, ça s'appelle Ah, les crocodiles. Et en fait, en faisant une ronde, souvent. On faisait ça ici, et puis même avec d'autres enfants, en fait, ça peut être, enfin, même quand on est tout seul avec l'enfant, souvent je faisais une énumération, donc c'était un crocodile qui faisait quelque chose, après c'était deux crocodiles qui faisaient la même chose, au lieu de raconter l'histoire. Donc ça peut être une autre façon de chanter la chanson et qui permet de surenchérir à chaque fois et de si l'enfant a envie de continuer ou pas. Donc en gros, ça fait. Un crocodile s'en allait à la guerre, disait au revoir à ses petits-enfants, traînant sa queue dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants. Ah, les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles sur les bords du Nil ont disparu, n'en parlons plus. Ah, les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles sur les bords du Nil ont disparu, n'en parlons plus. Et du coup, ça ferait deux crocodiles s'en allaient à la guerre, disaient au revoir à ses petits-enfants, traînant leur queue dans la poussière, ils s'en allaient combattre les éléphants.
Ah, les crocs-crocs-crocs, les crocs-crocs-crocs, les crocodiles sur les bords du Nil ont disparu, n'en parlons plus. Ah, les crocs-crocs-crocs, les crocs-crocs-crocs, les crocodiles sur les bords du Nil ont disparu, n'en parlons plus. Et donc ça peut continuer très longtemps jusqu'à ce que l'enfant soit fatigué. On peut faire des gestes aussi, c'est pas forcément évident, évident, mais sur les crocodiles, des trucs comme ça par exemple, juste pour rajouter un petit peu de choses, j'ai pas de gestes vraiment prédéfinis. Voilà, donc c'était un petit aperçu de cette chanson. J'essaierai peut-être de la prendre pour la prochaine fois, mais en tout cas, elle est très très facile à trouver sur internet. C'est donc le crocodile qui arrive face à un éléphant et qui finalement saute dans la rivière pour échapper à l'éléphant. Voilà, parce qu'il se rend compte qu'il est un peu petit, même s'il était très très partant au début. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite lecture. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine et à la semaine prochaine. Non, pardon, pas à la semaine prochaine, excusez-moi, parce que c'est férié. Enfin, en tout cas, l'Alliance est fermée pour une semaine. Donc, je ne serai pas là la semaine prochaine. Donc, je vous dis plutôt à dans 15 jours. Merci beaucoup, au revoir.